Bonjour tout le monde. On connaît tous la peinture par numéro. Eh bien, voici la peinture par diamant. Le projet que j'ai présentement, c'est celui-ci. On retrouve un chaton avec un papillon monarque. On reçoit une toile. Moi, j'aime bien découper un carton et déposer ma toile sur le carton. La toile possède une pellicule et elle est déjà pré-encollée, cette toile. Donc, les petits diamants, on peut les coller directement sur la toile. Donc, au lieu de colorier, de peinturer, comme on le fait avec la peinture à numéro, eh bien, on a soit des chiffres ou des lettres et on va aller placer nos diamants. On retrouve des diamants de différentes couleurs. Sur chacun des sacs, on retrouve un chiffre. Ici, c'est le numéro 15. Il correspond au 3371, donc à la couleur 3371. Et le numéro 15 correspond, donc si on veut voir le numéro 15 ici, à quelle couleur il correspond, nous avons une charte. Alors, si je regarde le numéro 15, ça correspond soit à une lettre ou à un chiffre. Donc, le numéro 15 correspond à la lettre J. J'ai décidé de commencer par la lettre J, donc le numéro 15, parce que c'est sur le coin ici, au début de ma toile, que je retrouve les J. J'aime bien commencer la toile au tout début et tranquillement aller vers le centre de la toile. Donc, on peut commencer par le haut, on s'en va tranquillement vers le milieu et ainsi de suite. Sur la toile, on retrouve donc de toutes petites lettres ou de tout petits chiffres. Donc, on retrouve le J. On peut placer nos petits diamants de couleur dans des contenants de plastique. On les identifie, bien entendu. Nous recevons un petit stylet, un petit crayon. Ça ressemble à un crayon. En fait, le bout ici, il est creux. Donc, il y a un bout creux. Donc, on reçoit aussi de la cire. Il faut enlever les deux petites pellicules de plastique de chaque côté. Avec le stylet, on pique la cire. Donc, ça nous permet de garder un morceau de cire au bout de notre crayon, au bout de notre stylet. Ça nous permet par la suite d'aller chercher un petit diamant. Donc, j'ai mis un peu de diamant dans ma gamelle ici. Le petit diamant, il tient au bout de mon stylet, au bout de mon crayon. Il me reste à retirer un peu la pellicule de plastique, ce qui révèle la lettre J, et d'aller placer le petit diamant sur la lettre J. On n'a pas besoin d'aller chercher de la cire toujours, donc ça peut nous servir pour plusieurs diamants. Lorsque vous voulez prendre une pause de votre projet, vous replacez la pellicule de plastique parce que la toile, elle est pré-encollée. Donc, on replace la pellicule de plastique et on peut voir que les petits diamants sont collés. Lorsque j'aurai terminé le projet, je vais vous montrer le résultat final. Amusez-vous bien!